Où vous regardez cette vidéo. Bah, je vais m'atteler à cette deuxième partie de la journée sur Far Cry 5 en essayant d'être un peu plus subtil cette fois, parce que c'est vrai que ma partie de tout à l'heure plus celle d'hier soir, elles ont été un peu laborieuses parce que je faisais plus de. Je pensais beaucoup plus dans le tas qu'autre chose. Hein. Après, c'est vrai que j'essaye aussi de dégommer un convoi depuis tout à l'heure. Et que sur les trois convois qu'il y a, je n'ai réussi qu'à en détruire un seul et unique. Alors lui, c'est Boomer. Et il m'a l'air d'être largement plus efficace que les autres gars qui m'accompagnaient. Voilà. Alors, les convois, où est-ce qu'ils sont vis-à-vis de moi? Alors, j'ai un convoi qui part là-bas. Et l'autre qui est là-bas. Ok. Dynamite, allez, un petit coup de dynamite. Voilà. Et surtout. Oh là là. À couvert. Je veux pas mourir. Merci beaucoup. C'est marrant, il y a 5 minutes, il était pas là lui. Bon. Pour la carte, ça. Bref, je peux encore les rattraper. Quoique, ce qui est devant. Ah bah, si je suis en ligne droite, j'arrive largement. Thank you.
Ah, je veux pas conduire en automatique. Quoi. Il peut pas m'aider. C'est là que le chien il me sauve la vie quoi. Bah, aide-moi. Bon, ah bah. Je sais pas pourquoi je n'ai plus de medikit là. Ça j'ai utilisé deux trucs de lance-roquette et je sais pas où est passé mon chien. Ah, peut-être que je le rappelle, j'en sais rien. Hop. Ah d'accord, oui, il était mort. Bon, c'est tout. Quoi là-bas? Bon bah c'est tout, j'ai plus de viande de... Ouais,
je suis passé quand même sur autre chose au niveau des missions. Alors, ça c'est quoi? Ah ouais, ça c'est peut-être marrant à faire. Ça aussi à faire. J'ai aussi plein de trucs à récupérer. Alors. Merci. Merde ! C'est quoi ? Les hommes de John ont raflé ma femme. Elle est restée. Peut-être qu'elle est morte. Merci de m'avoir vivante, aidé. Quelque part dans leur bunker. Je sais pas ce qui est pire. John brise les gens physiquement et émotionnellement. Je vais dire une prière pour l'officier Hudson. Adieu. Eh, hey, bande d'enfoirés, il me pique mon truc là. Il en faudra plus pour m'abattre. Ouais bah. Fabrique une drogue super puissante à l'usine d'engrais. Il paraît qu'elle est très volatile. Il faut absolument qu'on démantèle cet endroit. Ouais, mais déjà... On va s'occuper. On appelle ça des dommages collatéraux. Je trouve que j'en fais beaucoup quand même. Et c'est quoi là-bas? L'espèce de drapeau, c'est... Ah, c'est une race pas en main. Ok. Allez. Bon, je dois pouvoir rappeler Boomer. Quand on court, oui, c'est un super chien. Oh,
mais mon boomer il va encore crever. Mon pote. Ah, viens ici toi. Bon, est-ce que je peux réparer ce truc? Alors surtout bien faire attention aux roues. Et voilà. Et les chiens ils montent pas dans la voiture quoi. C'est... ami de l'homme. Ah, j'ai plus de munitions. Ok. La mission. Il est mort. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Oh, lance-roquette là. Comment elle se vautrait, elle? Ah non!
là-bas. Qu'est-ce qui se passe en... Un de ces putains de vautours a avalé la clé de ma grange. Bon, c'est une longue histoire. Disons juste que j'étais... indisposé. Vous devez m'aider. J'ai du mal à viser une cible en mouvement. Abattez ces vautours. L'un d'entre eux doit avoir la clé. Alors, si je balance un n'importe, c'est pas ça, c'est ce que je dis pas. C'est le loup quand même, hein. Bah lui... Le coup de pelle. Ouais bah j'ai plus de munitions mon gars. J'ai pas de munitions dans son truc parce que là... Attache...
n'y a pas d'autre ouverture, c'est ça le pire. Je peux rien faire, moi. Je m'en occupe. Ma famille compte sur moi. Faut vraiment être con aussi de... Ah, je peux pas récupérer rien de trucs sur le cochon. Et ben voilà. Merci infiniment. Et écoutez, la caravane est déjà accrochée à mon camion dans la grange. Je préviens Kazek que vous êtes en route. Et on garde ce petit incident entre nous, hein? Merci, officier. Tous les tuer. Je vais tous les tuer. Alors, que je retourne à Falls End. La serrure en plus. Thank you.
Et mais dès que tu es à route. Ah bah voilà. Voir un truc de fou, joue à ça. Ils nous ont tout pris, même les trucs marinés les plus chelous. Le pasteur Jérôme. Il a installé tout ça, mais il manque encore un truc. Il est égoïste. Un véritable homme de Dieu n'aurait pas été abandonné par ses ouailles. Malgré tout, officier, tu confesseras tes péchés, car telle est la volonté du Père. Je ne vous remercierai jamais assez de nous avoir débarrassés. Je crois que j'ai une idée pour que le festival soit une réussite phénoménale. Bien. Il est temps de booster le niveau de testostérone pour offrir aux gens la petite flamme qui leur fait défaut. On a différentes façons de servir nos joyaux du Montana. Au four, frits, bouillis, à la vapeur, fumés. On a même une version sucrée, la crème de noix. Mais cette année, ça suffira pas. Moi, je veux du nouveau. Un truc excitant. On va préparer une terrine qui va rendre vert de jalousie tous les chefs de la télé. Pour ça, il me faut trois versions différentes. Hachée, rôtie et pleine. Pour les deux premières, c'est facile. Un gros hachoir, du feu, et voilà. Pour la troisième, eh ben disons qu'il va falloir se servir sur un taureau en train de jouer à saut de génisse. Ça risque d'être un peu dangereux, mais c'est aussi pour ça que c'est bon. Quand ce sera fait, apportez-moi tout ça et on pourra inaugurer le festival en beauté. Qu'est-ce qu'il est en train de faire le chien là? On peut à nouveau venir à Polzen. Eh oh! J'ai bien cru que ces cinglés massacrent les vaches des Calettes. Ils les abattent comme ça dans la boue. Il y a du sang partout. J'ai filé sans demander mon reste. Je sais même pas si la famille est toujours en vie. On verra bien. Ouais, j'ai piqué le coffre. Voilà. Oh.
ça, c'est juste... On reconstruira, mais on n'oubliera rien. On vous est tous vraiment reconnaissants. Je ne sais plus où est-ce que j'ai trouvé l'autre coffre. Ça va finir par me rendre sourd. Et bah ben voilà, c'est là. Alors, vous trouverez des lingots d'argent dans les avant-postes, d'autres endroits, ouais. Pour acheter des armes, véhicules et vêtements, skin prestige dans les magasins. Vous pourrez... Ah ok, d'accord. Et en fait, les lingots en argent, on peut les utiliser, on peut en acheter avec de l'argent réel. Ce que je trouve totalement ridicule. En général, les gens qui utilisent l'argent réel pour ce genre de truc là, bah, c'est histoire de dire, bah vous voyez, j'en ai une plus grosse que vous parce que j'ai dépensé de la thune. C'est un peu bête comme genre de comportement, mais bon, voilà. Après, comme disent, l'arme est plus puissante, bon... Ça passe encore, mais bon, si le jeu était aussi insurmontable que ça, voilà, il n'y aurait pas toutes les armes déjà qu'il y a à la base. Hein. Et bon, les skins, bon, c'est bien, mais bon. Voilà quoi. Ça c'est un flingueur de requin. Ça c'est un fusil sniper. Je prends celui-là. Silencieux, ne vous séparez pas de sa forme, ok. Ok. Je prends un viseur réflexe. Voilà. Okay. J'en ai déjà un de chez pare-balles. Ça peut toujours servir, bien. Maintenant j'ai des points de compétence. Alors, pêche, hein. Je crois que je m'en fasse un peu de pêche, mais bon. Wingsuit, ça m'intéresse pas trop. Alors, doigt de fée. Vous mettez des armes mais moins de temps à confectionner des objets, saboter des... Les véhicules désactivent les alarmes.
Moi, ce que j'aimerais déjà à la base, c'est réussir à saboter un véhicule, mais bon. Mais bon, je vais quand même l'utiliser. Vu que j'ai déjà été confronté à une alarme. J'avais des missions secondaires aussi avec des véhicules. Je sais pas ce que... Voilà, Widowmaker. Ça a l'air d'être un sacré camion, quoi. Bon. J'ai pas de véhicule dans le coin. C'est discret, dira-t-on. Ouais, bon. J'aime bien le buggy, là. Ouais, c'est sympa. Thank you.
Voilà. Alors... Ah, c'est de Fossoyeur celui-ci. Ah d'accord. Mets la gomme, moi je tire. Cette putain de secte. Moi dès le départ, cette famille Sid, j'avais compris que c'était une brochette d'escrocs. Au nord, il a dit. Donc ici. Je leur ai mis la pression. Et là, bam, je me fais taper sur les doigts parce que je suis trop méchant avec Edenscape. Tu le crois ça? Ah ben ça, j'ai pas eu le choix. Problème. J'ai dû me préparer à l'inévitable. Alors je me suis équipé. Assez pour tenir des années. Et des filtres pour l'air et pour l'eau. Ça m'a pris des mois, mais j'étais paré. T'aurais dû voir le regard des gens. Comme si c'était moi qui allais pas bien dans ma tête. Et qui est-ce qui avait raison? C'est ce putain de merde brique. Évidemment, la 7 en prendra moi. Gentil l'autre, plutôt que de parler, il pourrait peut-être tirer quoi. Vous pouvez oublier maintenant.
Allez. Bien plus de dégâts à la secte que moi. Dis bonjour à Dutch de ma part quand tu le verras, ok? Que cette connerie. 1er mai 1960. Clutch Nixon, à l'époque cascadeur peu connu de Holland Valley, subit une combustion spontanée en effectuant une cascade intitulée Le baptême du feu. Lancé à des vitesses jamais atteintes par un humain, le corps de Clutch a sûrement pris feu à cause d'un taux d'alcoolémie de 10 grammes par litre. Bien qu'il ait fusionné avec sa machine dans une véritable fournaise, Clutch parvint à survivre en orientant son véhicule vers un ruisseau voisin. Les témoins de la scène étaient sûrs qu'il avait péri. Mais Clutch Nixon surgit de l'eau tel un phénix, renaissant de ses cendres. Une légende était née. À ce jour, cet exploit n'a jamais été réitéré. On peut le voir sur la carte, les trucs de Clutch Nixon. Hein. Ouais, on peut les voir, ça va. Bon, moi ce qui m'intéresse déjà, c'est ça. Donc ce sont des voitures et des camions. C'est bon. Bon bah c'est bon, il est nickel hein. Alors, maintenant Widowmaker. Ça, je pense qu'il va déchirer comme un véhicule. Bon, à côté de cela, j'ai vu qu'il y avait plein d'objets dans le coin. Un jour, le père m'a dit, personne ne croit à la mort tant qu'une dame n'a pas vu. Okay. Ça c'est bien, ça rapporte des points d'expérience gratos. Hein.
lorsque la femme est ton enfant. Avec des objets. J'étais trop présomptueux, j'aurais dû partir. Rejoignez. Non, c'est pas ça que je veux, moi. Ceci dit, j'ai plus mon véhicule. Je m'étais planté dans mes... Alors... Ah, c'est la maison des dodes, hein. Je les ai déjà sauvés. Bonjour, moi c'est Nadine. J'espérais que vous pourriez m'aider un peu. Mon grand-père avait une collection de BD de quand il était petit. Mais comme il savait qu'aucun de ses enfants en voudrait, il les a vendus. Le truc, c'est que moi, je les voulais. Et papy n'est plus là à cause de la secte. J'ai plus aucun souvenir de lui, alors... J'aimerais récupérer ces BD. Si vous arrivez à les trouver, je pourrais vous dédommager. Il me faut toute la collection. Ah, super. Là-bas. Je vais faire appel à mon ami Boomer, le chien.
port, les connards! Ouais, mais c'est pas très intelligent ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Seigneur, ayez pitié! Donne-moi ta mission, toi. Oh, le truc va exploser dans peu de temps, c'est horrible. Si j'avais pas peur de me faire buter par la secte, j'irais piquer le bolide de Big Mac. Et je foutrais le camp d'ici. Il l'a caché quelque part dans son silo à céréales. C'était vraiment chaud cette fois. Ah bah je vais m'entraîner avec les explosifs télécommandés. Je peux pas non plus sauver tout le monde, hein. J'essaie de voir. Si je peux pas avoir une bonne vue d'ici. Parce que je vois le silo à céréales, ça c'est sûr, mais... pas une vue hyper bien dégagée. Thank you.
ce chien! Récupérer assez de matériel, le projet survivra, quoi qu'il arrive. Foutre, moi ce qui m'intéresse c'est ma pelle. Je pense que c'est cette caisse, hein, si on peut la casser ou quoi. C'est là, c'est rare, je sais pas vous êtes. Où est passé le chien? Ah. Obligatoirement que je monte dans le silo à céréales. Moi qui voulais être gentil avec lui. Ah ouais, mais je l'ouvre le truc comment?
Bon. C'était tout con, la clé était là. Bon bah je montrerai plus tard le silo à céréales. Ouais, il déchire très très bien avec ses armes. Oh la vache. Foncez dans les garages. Où est-ce qu'ils sont les garages? C'est ça que je veux savoir. Ah bah c'est là.
Alors maintenant il faut que j'aille le rapporter. Donc que je le rapporte ici. Mon père aurait été fier de vous voir conduire le camion comme vous le faites. Rapportez-le à la maison, à Folzen. On l'attend. Remorques, ce sont généralement des véhicules que j'utilise beaucoup dans ce genre de jeu. Bien, pas vrai? Ah bah oui. Je dois dire que revoir le camion de mon père, ça me rappelle pas mal de bons souvenirs. Je me tenais ici chaque fois qu'il rentrait à la maison, comme aujourd'hui, et je lui faisais coucou. Vous avez assez de cran pour le conduire. Mais surtout, vous avez du courage. Vous auriez plu à mon père. Si jamais vous avez besoin d'utiliser le Widowmaker, n'hésitez pas. En attendant, je vais rester à l'affût. Si j'entends quelque chose d'intéressant, je vous fais signe. Merci encore, officier. Cool. Ah. Salut, cowboy. Il n'y a pas besoin d'être réparé. Cool. Alors, maintenant, je vais faire ma mission de convoi. Voilà. Dans les grandes lignes, je vais peut-être m'occuper de celui-ci d'abord. Ouais, ça sera peut-être une chose. Merde, le con, je me suis planté. Je m'étais planté de touche.
civil sauvé, j'ai retourné carrément le véhicule quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Hop! Parce qu'il faut que je prépare le véhicule. Oh la vache! Hey, Toto, viens me sauver. Qu'est-ce qui arrive au chien? Ah, ouf. Ah, ils ont tué le chien aussi, quoi. Les enfants. Je n'aurais pas dû descendre d'autres véhicules. Hein. Ah, franchement, pour le moment, le Widowmaker, c'est un très très bon véhicule. Le truc, c'est que... j'ai pas de boutique de véhicules dans le coin. Alors... ferme aux citrouilles. Bah, je suis pas loin. Des grands choches. Salut ma jolie. Gentil lui. Bah allez, véhicule spécial Widowmaker. Voilà. Et cette fois-ci, je fais pas la bêtise de descendre du véhicule tant que voilà le convoi est toujours là. Voilà, moi je suis là, les autres sont là.
Ah d'accord, ça ce sont les autres personnages que je peux... Cheeseburger, Pépèche, super. Voilà, encore 3 minutes avant que... Ah bah c'est bon, il est pas endommagé en plus. Allez, et maintenant, on va aller dégommer ce qu'on voit. Ah merde, je les ai dépassés.
Alors, je vais essayer de retourner ici, voir. Essayer de me choper. Là c'est ridicule parce que je leur échappais quoi. En plus j'aurais pu mon viseur réflexe. C'était un putain de combat. Debout et réfléchir. Ça serait plus simple de la lutter direct. Non, ce n'est pas la volonté du père. Amène-la à John. Il est prêt à entendre sa confession. M'avoir enseigné le pouvoir du oui. Une nuit, ils m'ont emmené dans la cuisine et ils m'ont jeté à terre et j'ai expérimenté la douleur. Encore et encore et encore. J'ai cru atteindre les limites de ma résistance. Mais non. Je me suis comme libéré à l'intérieur. Je n'avais plus peur. Je voyais clair. Je les ai regardés et je me suis mis à rire. Je n'ai eu qu'un seul mot. Oui. J'ai passé ma vie à dire oui à tout ce qui se présentait à moi. J'ai ouvert chacun de mes ports un à un, et une fois rempli, j'en ai créé d'autres. Mais c'est Joseph qui m'a montré à quel point j'étais égoïste. Je prenais toujours, je recevais le plus beau don. Et pas celui qu'on reçoit, mais celui qu'on fait. Et pour ça, il faut du courage. Courage d'admettre ses péchés. Pour les graver dans sa chair, supporter tout leur poids. Et après de souffrances quand vous commencez à expier, les arracher tel un cancer et les brandir aux cieux de... Ça, c'est du courage. Je vais vous enseigner le courage. Vous allez apprendre à dire oui, pour que vous affrontiez vos faiblesses, pour que vous affrontiez vos péchés. Vous franchirez un océan de douleur pour être libre. Et ce n'est qu'ensuite que vous pourrez expier vos fautes. Bon, par qui je commence ? Par qui ? Ceci est la leçon numéro 1. Quelqu'un doit faire un choix. Je commence par toi. Tu ne le regretteras pas. C'est promis.
Mais avant de commencer, je crois qu'il est normal que l'officier Hudson retourne dans sa chambre. Une confession se doit d'être privée, après tout. Je ne vais pas te prendre. Je vais plutôt te prendre. Je t'ouvrirai en deux. Pour déverser tes frayeurs. Et ce faisant, tes péchés se dévoileront un à un. Ce n'est qu'à cet instant que tu comprendras vraiment le pouvoir du oui. Je reviens tout de suite. Merci John de m'avoir purgé de mes péchés. Y'a pas un flingue. Juste une batte de baseball lui. C'est mon grand. C'est vrai que j'avais mis. J'avais sélectionné le point là, mais bon. Ah, une grenade. Oh, c'est quoi? C'est une fumigène? Un bunker quoi. Tu n'as qu'à vous assigner. Oui. J'espère d'avoir utilisé la torche. Je sais bien. Ça pourrait être pire, tu sais. C'est un péché mineur. Ici. Dieu nous pardonnera. Tu as juste à te confesser. Parce qu'on cherche à les sauver. À l'est, par contre. Exactement. Merde, ça fait mal. Ah, c'est un peu normal, hein. Je
Oh là, j'ai même pas eu le temps de me soigner. J'aurais d'abord un balance avec grenade, je pense. Je balance d'abord le fumigène et ensuite je les attaque. Alors il faut que j'aille rechercher. Hop. Ça et le medic, ça serait bien. Parce que je pense pas que je puisse se pousser à la porte si on a pas là. Je peux pas prendre le gilet pare-balles quoi, c'est hallucinant. Oh, je peux encore faire des trucs ou pas? Ce que j'aimerais bien, c'est récupérer ça, le truc qui brille là. Ça pourrait être pire, tu sais. Ici, tu as juste à te confesser. À l'est, par contre, disons qu'un excès de grâce peut vite te monter à la tête. Face a créé des anges, mais on ne peut pas dire qu'elle en prenne grand soin. Merde, je balance la fumigène, y a rien qui se passe quoi. Bon. Allez, troisième essai. Je comprends pas, c'est pourquoi je peux pas prendre ce gilet pare-balles quoi, c'est assez ahurissant.
d'accord, je vais sûrement me faire moins de mal si je saute au dernier. Et je tiens à remettre. Non, toujours pas. Ah, par contre, j'ai récupéré le couteau de lancer. Vous n'avez plus rien à craindre. Ferme cette cellule. C'est pas juste. Vous ne pouvez pas faire ça. Pas, ils sont invulnérables quoi, c'est horrible. Ce qui me fait chier, c'est cette histoire de gilet pare-balles quand même. Parce que là, on peut prendre l'objet. Ça, on le prend en direct. Est-ce que j'ai encore des points de compétence à dépenser? Ce serait peut-être bien de savoir. Oui, j'en ai 8. Ça va peut-être pouvoir me servir. Destructeur de véhicules, non. Saboteur, approchez-vous d'un capot de véhicule. Maîtrise du fusil, non. Réparation automatique, tous les véhicules hein, se réparent automatiquement. Ah, c'est bien ça, mais bon. Non. Vous pouvez recharger, ajuster, changer vos... Non, c'est pas ça. Maîtrise de combat rapproché, ça va peut-être être utile. Serrurier. Ah, débloque les exécutions enchaînées au corps à corps, par projection et par arme de poing. Des exécutions élargies. Ça va être utile. Et je peux faire une double exécution. Ça pourra peut-être être très utile. Et je tire. D'accord. J'en reviens pas qu'on ait rempli le bunker aussi vite. Bon, toujours pas décidé à me filer le gilet pare-balles.
Taisez-vous. Du calme. Vous n'avez plus rien à craindre. Nous sommes seuls. On regarde dans votre cœur. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que je peux faire de la dynamite en fait ? Ferme cette cellule. Vous ne pouvez pas faire ça. Ah mais c'est hallucinant quoi. La double exécution qui fonctionne même pas quoi. Je sais même pas comment on l'a fait réellement. Mais... Aïe. Ça m'avait marqué un carré. Ah d'accord, c'est pour un UG attaque. Okay. Donc je vais me reprendre la double exécution. Qui a l'air d'être assez utile. Voilà, maîtrise de l'exécution. Rien à lui prendre dessus. Okay. Nous libérons notre âme du poids du péché. Voilà ce que je veux t'offrir. Thank you.
te confesser. À l'aise, par contre. Disons bien que c'est de grâce qui évite de monter à la tête. Bates a créé des anges. Et faut pas dire qu'elle en prenne grand soin. C'est de... On va voir. Ça pas d'autres endroits. C'est bien la porte qui devient transparente. Montrez-leur l'étendue de votre colère, mes frères. Dites-oui, je suis prêt à donner ma vie pour le faire.
séparez-vous des camions citernes. Ouais, mais ils me mettent ça par défaut, quoi, comme mission. Ah ouais, ils me l'ont mis par défaut. Bon. Alors... Ouais, ça me ramène quasiment au début, tout ça. Ferme de la porte... C'est Grace. Je suis à l'église de Folzend. C'est salopard. Directement là-bas, ça sera peut-être autant. On va faire le plein d'armes et après bah, je continuerai la prochaine fois. Plus vite quand on est plusieurs. Merci. Comment ça va? Hein? Ouais, c'est grâce à toi, cette putain de ville. Je suis pas super calé, mais je préfère miser sur la qualité pour... Officier! Officier! Écoutez un peu. On a un problème. Eden's Gate a créé un monstre. Ils l'ont appelé le Révélator. C'est un véritable char d'assaut. Ils essayent de reprendre les routes. Il y a une patrouille de la Résistance qui se trouve sur son chemin. Ils ont besoin d'aide. Dépêchez-vous! Déjà, il faut que je refasse un peu le plein d'armes. Alors, arme de poing. La pelle me plaît très bien. C'est une très très bonne arme, à mon sens. On peut coller des skins. Non, c'est bon, ouais. Alors. Ça peut toujours être utile aussi. Voilà. Deuxième canne à pêche. Ah. Est-ce que je peux vendre du butin? Oh oui. Du coup, je peux me prendre des munitions. Voilà. Voilà. Bon bah, je vais arrêter cette vidéo sur cette victoire, va-t-on dire. De mon côté, je vais quand même continuer un peu parce que je pense que le jeu va être hyper long. Et de ce fait, ça sera peut-être mieux que... Je joue aussi un peu de mon côté, quoi. Je vais réfléchir à ça. D'ici là, passez une très bonne fin d'après-midi, une très bonne fin de journée de Pâques. Et lundi, ce sera Ghost Recon Wildland. Sachant que en ce moment, je suis en projet avec un autre YouTuber
pour même deux autres youtubeurs pour faire un Ghost Recon en équipe. Voilà. Mais tout ça sera indiqué sur ma page Facebook, sur la date que ça se fera. Et mercredi, je pense commencer Dead Rising, premier du nom. Voilà. D'ici là, à très bientôt. Et comme je l'ai dit, passez une très bonne fin de journée. Au revoir.